les fêtes de Nintendo. Toujours de Vakin en compagnie de T-Lex qui est ici pour le site factory.com. Là, on vous avait présenté la dernière fois qu'on était venu dans un Nintendo Super Mario 3D World. Là, on revient avec un nouveau monde, un nouveau niveau. Bon, on va voir ce que ça va donner. Le jeu sort bientôt aussi. Oui. Le jeu s'entend qu'il doit être pas mal fini. 2 ou 4 semaines environ. C'est ça. Avec, il doit être rentré ou pas loin d'être rentré en phase gold déjà. Donc là, on va monter le monde 2.3 ou 2.3, tapez-le comme vous voulez. On va se faire donner. Non, mais la maison n'a pas d'autre choix. Ça va être un peu. Permettez-moi l'expression. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que vraiment, t'es tout seul. Là. Comme ça. Ah, là, c'est rendu un petit minou. Ouais, c'est un petit minou. Le jeu, il est vraiment bon. On voit le jeu des ombres sur les murs. Puis... Ouais. On voit vraiment que Nintendo et la Wii U sont passés à un autre niveau carrément. Zéro originalité, il y avait rien là-dedans pour me le faire acheter honnêtement, mais celui-là, c'est vraiment, ça fait quoi, ça fait 2-3 fois qu'on le teste ce jeu-là, il y a toujours quelque chose de nouveau encore et encore et encore. Et là, on ah, c'est vraiment beau ça. Wow. J'aime plus le jeu des ondes. Oui, non, effectivement, il y a eu un vraiment gros travail de fait par les développeurs là-dessus. C'est super fluide, en fait, si tu vois pas l'ombre, ça lag pas rien, là. Tout est fluide. Là, tu vois même, t'es vois même voler sur le mur. Là. Tu peux revenir dans le niveau? Ah, ça c'est fort. Fait que si ma carte t'a manqué une pièce, mettons, tu sais, les espèces de 3 pièces, les niveaux, là. Ok, c'est cool ça. Ok, ouais, wow. C'est ça. Wow. Ah, c'est vraiment cool. Ça, je peux déjà dire en partant que. Déjà là, t'es ah, ouais. Ben ouais, c'est clair. Ben ouais, c'est clair. Je dis, wow. Ok, la facteur geek, on s'en souvient, dans le podcast, on disait souvent que Mario était plus capable. Ouais. Il fallait qu'ils sortent quelque chose d'original, mais là, ils ont quelque chose de gros entre les mains. Ouais, non, c'est ça, exactement. Ça va l'air de Paper Mario, quelque chose comme ça. Oh, Alex, ouais, mauvaise performance ici. On va faire un autre niveau. Il y a des bons jeux, là, quand même, il y a des Pikmin 3, Wonderful 101, celui-là, tu sais, il y en a plein de jeux, hein. Il est révolu le temps de dire que la Wii U, il n'y a pas de jeu, tu sais, c'est pas vrai, c'est plus vrai, ça. Ouais, mais la voix casseur, j'ai aucune idée.
remarqué la table. Ah ouais, ça, écoute. La peur, on connaît... Je suis comme attaqué présentement. Il y a tellement de choses qui se passent dans le jeu. Là. Ouais, mais il y a de la misère un peu. Il est-tu dégriffé, ça se peut-tu? Ouais, mais c'est vrai que... Ben, c'est des nouveaux niveaux. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, ce jeu-là, moi, il paraît qu'on t'a déjà vendu, on est encore plus vendu avec ça. C'est fou, là. Wow! Et Nintendo, ils ont quelque chose de solide pour le temps des fêtes, mais vraiment. Ben, celui-là, il est. Cette année vraiment de Mario qui réinvente rien, mais celui-là, ça me rappelle honnêtement l'originalité de ça, me rappelle la première fois que j'ai joué à Mario Galaxy. Ouais, hein? Un petit 2D, 3D, là. Ah, il est vraiment beau. Ça, c'était cool. Les niveaux avec les tuyaux qu'on avait essayé. Ça, c'était rare. C'était écœurant, ça. Mais je pense qu'on va... Ouais, non, c'est ça. C'est solide. Là. Très solide. Essaie donc de grimper dans le sable, là-bas, dans le niveau. Ah, et voilà. Mario est encore jamais dedans, c'est comme voir, c'est pas grave. Hop. Ah, c'est cool en tabac. Ok, il y a vraiment un temps limité. Ouais, non, c'est ça exactement. Ben sinon, ce serait trop facile, ça pourrait vraiment monter n'importe où. À quoi ça sert l'espèce de Todd avec une flash tête? Ok, jette ton temps, je pense. Ok. Bon, Mario, il capote. C'est comme lâche, là. C'est correct, là. Il y a un endroit à aller dans le manoir. Alex, une vie comment? Oh yeah! Ben écoute, tous sont pas inquiétés. On va se faire amener pour évaluer. Ah, exact. Et même en solo, je pense qu'on va être bon. Ah, ouais, ben ouais. Écoute, c'est ça pour ça. Non, on va quand même en bas. Ouais. Fait que sur ça, nous, on va vous quitter là-dessus. On va continuer un petit peu à jouer, mais on va sortir plus tard pour un long jeu, donc à la prochaine!